Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube Sauvalmash. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes près du bâtiment du BTUI. Je plisse mes yeux à cause du soleil qui brille et qui aide tous ceux qui travaillent sur ce chantier à le faire avec le sourire et la bonne humeur. Derrière moi, vous pouvez observer les puits qui prouvent que le système des eaux usées a bien été raccordé. Félicitations chers amis. Nous en avons déjà parlé, mais je ne peux m'empêcher de le dire encore une fois et de vous montrer leur imperméabilisation qui vient d'être effectuée. En général, l'ampleur des travaux qui sont en cours me plaît beaucoup. Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail quels processus se produisent ce jour-là sur le chantier et quels travaux de terrassement sont en cours. Allons-y. J'attire votre attention au fait qu'il est assez compliqué de se déplacer sur le site, car il est constamment creusé, puis enterré, puis remblayé, etc. Vous avez déjà pu voir ces montagnes de terre qui sont enlevées presque tous les jours d'ailleurs. À présent, nous allons parler d'un autre événement important. Il s'agit de l'installation des réseaux de chauffage, notamment des tuyaux de chauffage. Pour le moment, le socle a déjà été coulé avec du béton, mais avant cela, les ouvriers ont dû creuser une tranchée, installer le coffrage, couler le socle en béton et effectuer l'imperméabilisation. À présent, nous attendons la livraison des coffres pour continuer à les poser. Sur vos écrans, vous pouvez voir que les ouvriers ont effectué le remblayage avec du sable dans certaines zones. Cela signifie que, selon la technologie, des coffres imperméabilisés ont été installés sur le socle et qu'à l'extérieur, ces coffres ont également été imperméabilisés, remblayés avec du sable et compactés avec la plaque vibrante. Les systèmes de tuyauterie ont également été posés. Ensuite, les ouvriers ont effectué les connexions, les points de raccordement et les joints de dilatation. Ils ont également soudé les tuyaux et maintenant nous attendons le moment où nous allons sortir à l'extérieur du site. Vous pouvez voir que la clôture provisoire du site a été démantelée, nous sommes allés au-delà du chantier et cela signifie que le raccordement du système de chauffage sera bientôt réalisé. Faisons un petit tour. Le raccordement sera fait au réseau de chauffage central de la ZOS qui est posé hors site et qui vient de l'unité de distribution se trouvant derrière ce bâtiment rose. Allons un peu plus loin là-bas. Je pense que maintenant nos caméramans vont vous montrer à quoi ressemblait ce site après qu'on l'ait fait creuser. Les ouvriers ont enlevé la terre excavée, ont apporté du sable pour effectuer le remblayage et ont ensuite installé les réseaux. Rappelez-vous comment tout cela a été? Je vais vous montrer à quoi cela ressemble à présent. Tout a repris son aspect original. Une couche de sol fertile a été créée. La pelouse a été semée, elle germe déjà. Il reste très peu de travaux à effectuer. Voici les buissons et les arbres. Tout est vivant, agréable, vert et beau. C'est ce petit terrain qui devient une petite preuve de tous les travaux de viabilisation qui se sont déroulés là-bas. Cependant, nous allons bientôt tout creuser à nouveau dans cette zone-là. Nous effectuerons le raccordement et ensuite nous allons à nouveau réfectionner ce secteur. Il s'agit notamment de la zone d'entrée, de l'asphalte, de la pelouse et tout ce dont on a besoin.
Cela signifie que d'importants travaux sont encore effectués à cet endroit. Mais néanmoins, ce ne sont pas les seuls travaux de terrassement qui sont en cours sur le chantier. Pour le voir, nous allons nous déplacer à l'arrière du bâtiment. Sur notre chemin, nous ne pouvons pas nous empêcher de commenter ce qui se passe sur cette partie du chantier. Ici, un nettoyage et un réaménagement sont en cours. Les dalles dégradées du chemin temporaire seront bientôt enlevées, les puits et les anneaux seront déplacés, le conteneur d'entreposage des ordures disparaîtra également, et par conséquent, un autre site supplémentaire dont nous avons besoin pourra être nivelé. Nous espérons également que dans un proche avenir, tout sera mis au niveau zéro et le remblayage sera effectué pour pouvoir ensuite poser de l'asphalte à cet endroit. Pour le moment, nous attendons le début de ces travaux. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant beaucoup de véhicules spéciaux sur le chantier. L'un remplace l'autre. L'excavatrice travaille, la tractorelle aussi, et les camions qui enlèvent la terre et apportent du sable travaillent également. Nous arriverons bientôt à l'arrière du bâtiment. Là, nous préparons la connexion de l'électricité à haute tension dans le bâtiment. Nous voyons les bobines, nous voyons la terre creusée, nous voyons la mise à la terre et cette conception intéressante avec des ondulations. C'est la mise en œuvre d'un système de drainage temporaire afin de ne pas inonder le lieu de travail, ce qui se produit parfois les jours de pluie. Par conséquent, une structure improvisée a été créée qui permet d'évacuer l'eau immédiatement dans les égouts pluvieux. Nous sommes arrivés à cet endroit où des travaux intenses sont en cours, mais les ouvriers sont apparemment partis pour prendre leur déjeuner. Nous ne gênons donc personne ici. Nous pouvons vous montrer en toute sécurité à quoi cela ressemble et ce que cela signifie. Je vous rappelle que derrière ces mêmes portes se trouvent nos 4 transformateurs et que nous avons ce système de connexion d'électricité dans le bâtiment. Il convient également de comprendre qu'une chambre de distribution se trouve derrière ce mur. L'électricité est connectée là-bas, ensuite les fils électriques passent dans la rue et puis ils sont connectés à chaque transformateur. À noter que cela est fait avec toutes les exigences de sécurité. Bien sûr, je voudrais dire quelques mots sur la mise à la terre. Le circuit de mise à la terre est vraiment beau ici. Je ne peux pas le dire autrement. Et cette mise à la terre permettra au département de recherche de notre complexe de fonctionner sans interférence et de montrer des résultats de haute précision qui répondront à toutes les exigences qui leur sont présentées, plus précisément aux exigences du laboratoire, etc. Creuser, creuser, creuser à nouveau. Poser, enterrer. Donc tout est sérieux. Poursuivons le sujet du circuit de mise à la terre. Je voudrais vous montrer qu'il ne se termine pas et qu'il sera installé sur tout le périmètre du bâtiment. À présent, nous suivons le chemin temporaire et nous ressortons vers le quai de chargement et déchargement. Nous nous tenons sur les dalles du chemin temporaire et nous pouvons voir le même circuit, mais aussi le géotextile blanc qui a été posé. Les ouvriers ont effectué le remblayage avec du sable en utilisant ce géotextile. En fait, il y a énormément de sable. Les camions arrivent constamment et la plaque de rouleau compresseur fonctionne pour compacter ce sable. Si vous regardez de ce côté le long du périmètre, vous verrez des tranchées nécessaires pour connecter l'éclairage extérieur. Le moment du démontage complet et du retrait de la clôture provisoire est déjà proche, c'est-à-dire que les travaux sont effectués rapidement et de haute qualité. Les ouvriers connaissent bien leur métier et travaillent en harmonie. Nous pouvons voir les résultats de ce travail sur nos écrans. En fait, remarquez la hauteur du quai de chargement et déchargement qui a été effectuée de sorte que l'on va pouvoir charger et décharger du matériel depuis un poids lourd. Donc la hauteur du quai est à présent assez élevée.
Cela suggère que la couche de sable, de gravats et d'asphalte à côté de ce qui est de chargement ou déchargement sera très impressionnante. Naturellement, cela nous permettra de créer une plateforme assez solide grâce à laquelle, à l'avenir, nous serons en mesure de mener des activités directes et sans entrave pour lesquelles le BTEI Sovelmash a été conçu, sans distraction pour des travaux de réparation, etc. D'ici, vous pouvez déjà voir qu'il reste très peu de géotextiles visibles. Encore une fois, on voit l'abondance de véhicules spécialisés. Cependant, ce n'est pas le même équipement qui fonctionne à l'avant du bâtiment. C'est une autre excavatrice. Par conséquent, vous pouvez évaluer l'échelle des travaux par vous-même. Ici, les commentaires sont superflus. Allons à l'intérieur du bâtiment. Ici, nous avons observé un nouveau matériel de construction qui vient d'être livré sur le chantier. Il y a également du matériel de construction pour le bâtiment administratif et technique. Par conséquent, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail à effectuer. Et à présent, les travaux se poursuivent également à l'intérieur du bâtiment. Un nettoyage à très grande échelle a été effectué, l'ordre a été établi, tous les déchets de construction ainsi que les déchets qui apparaissent inévitablement dans le processus de travail ont été retirés. Nous essayons de maintenir un haut niveau de propreté, en plus d'effectuer des travaux en direct. Par conséquent, si vous voulez rester au courant de tous les événements de la vie du projet Sovelmash, alors assurez-vous de vous abonner à nos réseaux sociaux, cliquez sur « J'aime » et soyez parmi les premiers à découvrir toutes les nuances, les aventures, les défis et les réalisations qui sont obtenues au cours de la mise en œuvre du projet. Merci pour votre attention et pour votre participation. À bientôt.